Hello! Well, it's always a bit of a shock. Even if we were there yesterday and you see the empty stage, it's okay, that's impressive. And then you see people, and plenty of people that you know, and they'll say, hey, yo, hello, I know the guy. And it's so weird. Ça va, Gabriel? So I won't take someone from the audience, okay? I'm not a comic. So welcome to La Pronduconf Paris 2023, the sixth one. And so it's actually been 7 years now that we created that conference. And actually that was us, the organizers, at the end of the first one in 2016. So I don't know how you can feel the relief that we had when it actually ended. Because when you organize such a conference, you're happy just that it ends. So you're happy to be there. Usually we're happy at the end of the day because everything went to normal, everything went well, and you're happy. And then we're relieved and we take one other year to go and organize a new one. When we organized the first one, it was a bet. Okay, we, I think it was in February, and started to think about a conference saying, okay, the US does it, London does it, why can't we in Paris? And we were supposed to have 150 people. We ended up at 200. I'd like to know, actually, how many of you were there at the first protocol conference? Can you raise your hands? Okay. So everybody's not retired. That's a good thing. Still working in product. That's a good thing. So they were the people that organized that. Now, well, it's been 7 years, and we're supposed to have reached the age of reason. When we created La Pronduconf, we had a threefold mission, and it's always good to have a bit of a step back. Do we still fulfill our mission? So the first part of the mission was bringing product lovers together. But of course, you're there, so I hope that the mission is fulfilled. But since actually 2016, one big thing changed, remote. For the first time, we had plenty of teams sending us messages saying, okay, that's amazing that you create a conference, not just because we're going to gather physically here, but because now plenty of us work in remote. So in a way, it's a team building. So I'm really happy that we are now an excuse for you to do team building and have a budget from your companies. That's a good thing. It's a bit of a bonus. So the first one, I hope you feel that we're still bringing you together. Second part, we're sharing knowledge. Every year, we try to build the best lineup. Always do the mix between people from the community, people out of the community. A bit of product management, a bit of product design, product marketing, product growth, et cetera, et cetera. And look, guys, every year, you will have three stages because we feel like we need three flavors when it comes to product management and product overall. The first thing is inspiration. And on this stage, you'll have the Think Different Talks. So the Think Different Talks are really about sharing new perspectives, saying what we do in a slightly different way. And we need inspiration, because on the day-to-day, we are so stuffed with things, so stuffed with meetings, with our teams, with the engineers, with the stakeholders, that taking some time to think of the things a bit differently is a blessing. So as you can see, we'll have plenty of people with plenty of point of views that will be shared with you, live, of course, and afterwards, absolutely free online on the YouTube channel La Pronduconf in a few months. But inspiration is a good thing. Now, what do you do on a daily basis? Well, really, you do very practical things. So that would be the make better stage. Return on experience, frameworks that you will be able to use tomorrow when you go back to the office. There will be plenty of things on product design this year, particularly a lot around product design, and that's a good thing because we see that the market has changed in a few years. Of course, you can find all these on the different programs that you see, plus on the Engage app, so if you haven't downloaded it yet, you can, and you can build your own program and do networking, et cetera, et cetera.
The third part of the threefold mission was actually, promoting the product mindset. Let's face the fact, product management for years has been very focused on startups and scale-ups. And even us, as organizers of La Product Conference, we used to have people from startup scale-ups talking there. But the paradigm has shifted. Now, plenty of companies that don't consider themselves as startup or scale-ups are savvy in product management. Now, they understood that technology and product was not just an enabler of their business model. It could be the heart of new business models. So for the first time at LPC, we'll have people from Decathlon and Carrefour talking about how they do product management. Because the challenges are different from the ones that you have as a first PM in a startup or as a head of product in a scale-up or a unicorn. So different challenges, different points of views. The third part that we have is about conversations. The product conversations are actually promoting mindset in different ways. So we'll have a third stage when we'll have people sharing different points of views because you cannot have one answer to those questions. And this is how product mindset can be actually going through the layers of a company. It's not by giving one answer, it's about adapting it to the different context. So these are the three parts of our mission, but it's not enough. Some of you may know there are some topics, especially one, which is responsibility, which is actually very precious to my heart, personally. And for the first time, we really invested in that part for the conference. First thing first, the people that would take care of you during the breaks come for the Café Joyeux. Café Joyeux actually is the only company who will hire and train people with disabilities. There are 15 cafe restaurants in France, and they even have their own brand of coffee. So they're doing the brand of coffee that you will use tomorrow and today. So please, please, a big round of applause for the Café Joyeux. All the materials of the conference will be recycled by Muto. All the leftovers will be given to Saver. And we will measure for the first time the carbon footprint of the conference as to climate. Last but not least, for the first time, we have parity in terms of speakers. It's been a long run. It was not that at the beginning at all. Now we have it. So it's the first step. Diversity is not only about gender, but well, need to start somewhere. Now, this lineup wouldn't exist without these people. So same thing, please big round of applause for the board, because let's be honest. The board is actually retributed by plenty of product love, but that's all, okay? They're not paid, they do that because they love the community, they are former speakers, and they do it for absolutely for free. And that's very important because without that, we wouldn't have the ability to have such speakers on stage. Now, this conference would not exist without our sponsors. And you would have plenty of opportunities to see what they do, to talk with them. You see that in the hall, but some of them actually have tool talks where you can see how they currently implement products in product teams so that you can be better product builders. So, same thing, last round of applause for our sponsors, Amplitude, Camaleon, Product Board, Sandberg, Fibery, Figma, Avester, Scrib, D'Artagnan, and SnapLogic. And actually, the last thank you is for you. The 1,000 people who are there today, and without you, there would be no conference. So, thank you. So that's it for me. Enjoy the day, and I will give the stage to Amandine Dürr, CPO of Back Market, and Ingo Jaisman, the CEO of Tiger. Enjoy.
Thank you, Fabrice. Good morning, everyone. Allow me to switch to French for just a couple of minutes. Avec Amandine, on a une petite surprise pour vous avant d'accueillir Mélissa sur scène pour sa keynote. On a un invité exceptionnel qui nous consacre quelques minutes ce matin. Je vais vous demander d'accueillir avec moi Monsieur Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci, Monsieur le ministre, de nous accorder quelques minutes ce matin. On a un timing très serré, donc on attaque directement par les questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous faire l'honneur d'être avec nous ce matin. On est très heureux d'ouvrir cette ProducConf édition 2023 avec vous. Depuis sa création, la ProducConf a vraiment la vocation de donner un éclairage sur le monde de la tech et en particulier sur les métiers de produit et du design. On sait que vous êtes évidemment au cœur du réacteur de ce monde-là. Vous discutez, on a vu récemment, avec des grandes personnalités du monde de la tech au niveau mondial, Elon Musk pour ne pas le citer. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes tendances qui se dégagent, selon vous, dans ce milieu ? Elon Musk, que j'ai vu cette semaine, puisqu'il était à Paris, alors pour parler plutôt de Tesla que de Twitter, mais bon, moi je l'ai quand même interrogé sur Twitter, je lui ai demandé pourquoi je ne voyais plus que lui sur mon fil et comment il avait fait évoluer son algorithme. Mais je l'avais vu début janvier en marge du CES à Las Vegas et il nous avait annoncé à l'époque qu'il allait ouvrir son algorithme de recommandation, ce qu'il a fait et ce que je trouve être un mouvement assez intéressant et qui rejoint d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place progressivement en Europe, c'est-à-dire un cadre de régulation à 360 degrés sur le digital. L'idée étant de créer en Europe un marché unique du numérique, de manière à ce qu'on puisse faire levier de la puissance du marché unique européen, pour que nos acteurs, d'abord les acteurs français, les acteurs européens, puissent passeporter leurs produits, passeporter leurs solutions le plus rapidement possible. Ensuite, s'agissant des tendances, évidemment, nous, ce que nous soutenons avec le président de la République et le gouvernement, c'est le développement dans la décennie qui vient des briques d'infrastructures, puisqu'on a démontré depuis 10 ans que la France était capable, comme d'autres grandes nations, de faire émerger des applicatifs d'envergure européenne et mondiale, que vous avez contribué à concevoir et que désormais tous les Français et de nombreux Européens utilisent au quotidien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour acheter du matériel de bricolage, un téléphone reconditionné ou pour streamer de la musique. Mais l'enjeu pour nous, c'est que dans 10 ans, ces applications puissent se développer sur la base de briques d'infrastructures sur lesquelles on dispose d'une forme de maîtrise. Et ces briques d'infrastructures, c'est l'IA, c'est le cloud, c'est la cybersécurité, c'est le quantique. Et sur tous ces sujets-là, on a un grand plan d'investissement qui s'appelle France 2030, auquel on consacre 54 milliards d'euros en tout. Mais pour ces briques de l'infrastructure numérique, c'est à peu près 1 milliard dans chacun des domaines que je viens de citer pour soutenir l'innovation au niveau universitaire, le développement de la formation des experts dans ces domaines-là et puis le soutien à l'investissement des entreprises. Alors évidemment, dans ces domaines que je viens de citer, il y en a un en particulier, et on va peut-être en parler ensemble, qui attire particulièrement notre attention ces temps-ci, c'est celui de l'intelligence artificielle, ou plus précisément de ses derniers développements, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative, qui va progressivement envahir, ou en tout cas s'inviter dans un certain nombre des produits, des solutions, y compris des solutions logicielles, et sur lequel il faut là aussi qu'on dispose d'une certaine maîtrise plutôt que de laisser d'autres grandes puissances développer ces solutions-là. Et est-ce que vous considérez justement qu'on a une chance de jouer un rôle à l'échelle mondiale sur ces sujets-là ? Oui, je le crois. D'abord parce qu'on en a les moyens. On fête cette année le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Blaise Pascal, en quelque sorte, c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Sam Altman, puisque, ou en tout cas des développeurs de GPT 3, 4, etc., puisque c'est celui qui, le premier, a conçu une calculatrice. Depuis la naissance de Blaise Pascal jusqu'à l'année dernière, où la France a récolté une nouvelle médaille Fields, qui est le Nobel ou l'équivalent Nobel en,
en mathématiques. Nous n'avons jamais cessé d'être une grande nation de mathématiques. Et d'ailleurs, dans tous les laboratoires de recherche en intelligence artificielle, les laboratoires publics, mais aussi les laboratoires des géants du numérique, on retrouve de très nombreux Français. Et on voit, ces dernières semaines, ces derniers mois, des Français choisir la France, c'est-à-dire faire le chemin inverse. On a vu des stars de l'IA, je pense à Luc Julia, par exemple, fondateur de Siri, décider de venir travailler avec Renault. On a vu, même si ce n'est pas tout à fait un move définitif, on a vu Yann Lequin contribuer à installer en France l'un des principaux laboratoires de recherche en IA de Meta, qui au passage est le principal employeur de thèses CIFRE en France. Mais tout récemment, on a aussi vu une petite équipe se constituer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Mistral, et qui est composée d'anciens de DeepMind, donc la filiale AI de Google, d'anciens de Meta également, qui ont contribué à développer Llama, le modèle géant de Meta, et qui ont créé une entreprise qui a une très 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 haute ambition, qui a déjà levé à peu près 100 millions d'euros et qui est en train de se lancer dans la constitution d'un modèle de fondation, donc un grand modèle de langage. Et puis, parce que l'intelligence artificielle générative, comme vous le savez, c'est toute une chaîne. Donc il y a aussi des entreprises qui se lancent, je pense à Dust par exemple, dans les métiers de raffinement des modèles géants pour qu'ils puissent être appliqués sur un certain nombre de produits et de services. Et donc on voit que la France est en train de se placer sur la carte, en tout cas pour l'Europe pour l'instant, comme un hub pour le développement de l'intelligence artificielle générative. Donc on en a les moyens, et puis c'est aussi un impératif, parce que cette intelligence artificielle générative, ce que c'est en réalité, c'est une technologie de la représentation. Et c'est formidable, parce que le patrimoine accumulé d'informations et de connaissances de l'humanité, il est grâce à Internet disponible, mais disponible en ordre très dispersé. Ce que permet l'intelligence artificielle générative, c'est de le synthétiser et donc le rendre beaucoup plus rapidement et facilement accessible. Mais c'est une technologie de la représentation. Et donc il est impensable que nous ne puissions pas, nous, Français et Européens, disposer de modèles forgés au feu de la culture et de la langue française. Autrement dit, on ne va pas s'appuyer pour accéder à notre patrimoine informationnel de techniques de représentation qui sont passées au filtre de la culture anglo-saxonne, même si j'ai rien contre la culture anglo-saxonne, ça n'est pas exactement la nôtre. Et puis enfin, il y a un enjeu évident de souveraineté dans les domaines civils et militaires, et donc il y a un impératif à réussir tout ça. Et peut-être une dernière question. Je sais que vous êtes très attaché à la question de la protection de l'enfance par rapport aux addictions du numérique, au cyberharcèlement et à l'exposition à des contenus violents. Vous êtes devant un parterre de product managers, de designers qui donc conçoivent nos produits au quotidien. Qu'est-ce que vous avez envie de nous adresser comme message sur ce sujet ? Ce que je voudrais vous dire, c'est que effectivement, la protection de l'enfance en ligne, c'est peut-être le sujet sur lequel le consensus est en train de se former au niveau international. Dans le numérique et la régulation du numérique, on a beaucoup de mal à trouver des règles communes avec les autres grandes régions ou grandes nations du monde. Prenez par exemple la protection de la vie privée. Bon, l'Europe a posé le RGPD qui effectivement a inspiré les régulations dans un certain nombre d'autres pays, mais aux États-Unis par exemple, la question de la vie privée n'est toujours pas traitée parce que c'est très difficile dans un certain nombre de pays de former des consensus politiques pour dire ben voilà, la vie privée c'est quand même important et donc on met un certain nombre de protections. Sur la protection de l'enfance, on sent partout dans le monde une intention très forte des gouvernements, des chefs d'État, etc., d'avancer. L'Europe a fait un pas très important l'année dernière en prenant un règlement dont je pense qu'un certain nombre d'entre vous a entendu parler, puisqu'il va commencer à s'appliquer à partir du mois d'août de cette année. C'est le règlement sur les services numériques, le DSA. Le DSA, il fait rentrer les plateformes de réseaux sociaux, de places de marché, dans l'ère de la responsabilité, en leur imposant un certain nombre d'obligations et d'interdictions, et en particulier certaines qui concernent les mineurs. L'obligation de présenter des conditions générales d'utilisation facilement compréhensibles pour les mineurs. L'obligation d'assurer un haut niveau de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté pour les mineurs, en concevant, si nécessaire, des interfaces adéquates. Et puis une interdiction de faire de la publicité ciblée sur les mineurs.
Mais en réalité, à mon sens, ce qui est la mère des batailles, c'est une question technique qui est en réalité pas si simple à résoudre, mais qui est celle de la vérification d'âge. Parce que si nos enfants sont exposés en ligne à des contenus inappropriés, si on constate des phénomènes d'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, c'est principalement parce que là où les limites d'âge sont globalement respectées dans l'espace physique, elles ne le sont pas du tout en ligne. La plupart des services qui sont soumis à des limites d'âge, que ce soit les réseaux sociaux qui souvent ont fixé la limite de 13 ans dans leurs conditions générales d'utilisation, que ce soit les sites réservés pour adultes, applications de rencontres, sites pornographiques, qui ont une limite d'âge fixée par la loi à 18 ans, eh bien ces limites d'âge, elles ne sont pas vérifiées. Et il n'existe pas aujourd'hui encore de solution qui soit à la fois fiable, avec la capacité d'établir de manière à peu près certaine l'âge de l'utilisateur, et respectueuse de la vie privée. Puisqu'aujourd'hui, quand on va dans un magasin acheter une bouteille d'alcool ou dans un sex shop acheter du matériel réservé aux adultes, eh bien, on n'a pas besoin en même temps de prouver son identité, puisqu'on considère que c'est une liberté d'accéder à des produits ou des services réservés aux adultes, mais que ça doit être soumis à une limite d'âge qui est vérifiée à l'œil, et parfois en demandant la carte d'identité, mais uniquement en la montrant l'espace de quelques instants, par le marchand. Et donc, face à ce défi technique auquel sont confrontés en quelque sorte tous les pays du monde, ce que nous avons fait, nous, c'est qu'on a incité des industriels français à se pencher sur la question et essayer de développer des solutions de vérification d'âge qui respectent un principe de double anonymat, c'est-à-dire que l'institution, votre opérateur télécom, votre banque, la poste, quand vous avez une identité numérique de la poste, qui va fournir une attestation anonyme de votre âge ou de votre majorité, ne saura pas ce à quoi elle pourra être utilisée, et que le service auquel vous accéderez grâce à cette application anonyme, au travers d'une application installée facilement sur votre smartphone qui vous fera un push lorsque vous essayez d'accéder au service, eh bien, le service en question ne saura pas qui vous êtes, mais connaîtra uniquement l'âge qui est le vôtre. Mais enfin, on est au balbutiement, et c'est pour vous dire que, effectivement, dans la conception des services, des produits que vous développez, je crois qu'il est sage aujourd'hui d'essayer d'intégrer très en amont ces questions de protection, et s'agissant des mineurs en particulier, de la capacité de vérifier l'âge sans compromettre la qualité du parcours utilisateur, hein, qui est un grand bénéfice de l'économie numérique, mais en s'assurant effectivement que les bénéfices que délivrent vos services et vos produits ne sont pas au détriment d'une exposition des mineurs à des contenus qui sont inappropriés. Merci, Monsieur le Ministre. C'était rapide, mais c'était un plaisir de vous avoir avec nous Merci ce matin. Beaucoup. Je crois que vous avez un agenda très serré, donc on va vous libérer. Merci beaucoup encore à vous, et bonne journée à tous.